Abidjan. À quel nouveau buzz sur Facebook? Attends, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est quel habillement ça là? Mais j'ai dit où? Yves Derou là même, qui la conseille même? Ça c'est quel habillement ça? Robe de soirée avec crêpe. Oh, la fille est gawaise jusqu'à elle qu'elle est tini même. Oh, mais ça c'est quoi ça? Celle-là pense qu'elle est arrivée, pense qu'elle est star, donc elle va tout se permettre quoi. Regardez bras là maintenant, elle est musclée comme ça. Regardez ventre là maintenant, on dirait qu'elle va accoucher demain. Et ça elle l'a mis dans robe de soirée là. Eh Dieu, ils lui ont donné quoi? Trophée, on est foutu. On est foutu. Voilà une fille qui a tout vécu. Tout vécu. Un peu seulement sur sa page là. C'est elle qui a histoire à expliquer. C'est elle qui a vécu quelque chose. C'est elle, on lui a fait du mal. Ils lui ont donné un trophée. On est foutu. Ça là, c'est au moins 2 ans qu'elle va parler de ça. On dit quoi? Elle dit quoi? Je dis où? Quand vous faites ça là, vous n'avez pas honte. Quand vous vous asseyez pour regarder vos amis en train d'évoluer là, vous n'avez pas honte. Tu gagnes quoi en insultant quelqu'un que tu ne connais pas? Elle n'a pas cherché ton mari. Elle n'a pas donné gourmet à ton frère. Elle n'a pas insulté ton papa. Tout ce qu'elle fait là, c'est jouer la comédie pour te faire toi-même rire dans tes dents. Tu la vois, tu l'insultes. Bon, elle a porté son habit. Elle est gonflée dedans. Elle est tordue dedans. Ses pieds sont XO. Toi, où est ton affaire? Dis-moi, je te demande. Tu la connais? Tu as pris son crédit ou bien elle a pris ton crédit? Elle te doit ou bien elle a fait quoi dans ta famille quand tu la guettes jusqu'à de façon gratuite et méchante? Tu te mets à l'insulter sur les réseaux. Et c'est ça, hein? C'est comme ça aujourd'hui. Et on encourage ça pour avoir des likes. Ça veut dire le matin, tu te lèves. First Magazine va poster la photo de quel artiste que je vais insulter. Et puis je vais avoir 1000 likes. Like là, ça paye terrain à Abidjan. Mais si like paye terrain là, c'est que tous les Serge Benoît là, ils avaient acheté à Abidjan. Parce qu'ils ont fini un like. Alpha Blondie lui-même là, peut-être c'était pour lui Bahamas. C'est quoi? Et vous avez cette étiquette-là, les Ivoiriens, c'est un peuple qui parle mal. Ah non, si tu as fait un Ivoirien, puis vous êtes content. Maintenant, quand vous parlez, puis on vous répond, ça vous fait mal. Mais nous tous, on est Ivoiriens. Nous tous, là, on est Ivoiriens. Donc, qu'est-ce qui vous fait mal? Quand je vais parler, ah non, Ivy, elle s'attarde trop sur les détails. Elle ne fixe pas ses objectifs. Mais depuis que je parle là, vous ne voyez pas que je gagne les prix. Je réponds et puis je gagne plus. Ça veut dire que mes yeux ne sont pas détournés de mes objectifs. Je vous réponds. Je me retourne un peu pour vous répondre. Et puis je gagne encore des prix devant. Et puis j'évolue. Et ça, on dit dans la vie, là, step by step. Il faut te construire. Tu es assis en train d'insulter tes camarades qui sont en train d'évoluer. Que non, Claire Bailly a fait photo, elle l'ambassadeur, elle transpirait. Toi, tu es poisson. Toi, tu es poisson. Non, Conny Touré, c'est le filtre de Snapchat qui la rend jolie, sinon en réalité elle n'est pas belle. Toi, tu as gagné quel concours de Miss dans ton village pour dire Abidjan? Parce qu'on fait présélection d'abord dans les villes avant de venir à Abidjan. Toi, ton village, tu as gagné quoi? Fraîche, la sœur. Roscata Paracostoco. Je vais vous évangéliser aujourd'hui. Puis je vais faire votre délivrance aujourd'hui. Ça veut dire quoi ça? Parce qu'on est star, on ne doit pas répondre. C'est écrit dans quel verset de la Bible? Kim Kardashian même là, quand ça la bougole là, sur sa page, les réponses, vous ne comprenez pas anglais. Vous avez compris? Moi là, je vais vous répondre. Peut-être les autres ne veulent pas, hein. Vous les insultez matin, ils me disent, soit peut-être ils ne savent pas écrire. Moi, je sais écrire, je vais vous répondre. Ça veut dire quoi? Quand on va parler, c'est pour dire que non, Ivy pense qu'elle est trop arrivée. Il y a une là même, on dit, il y a un grand frère qui a fait un poste sur ODC, elle est partie écrire là-bas que oui. Ivy Dero pense qu'elle est trop arrivée. Donc, pourtant, elle marche à pied à Abidjan ici. Ma chérie, toi, tu as pas Koto. Toi, tu as pas Koto.
Moi, au moins, il marche à mes pieds. Toi, tu vas pas coto. Pourquoi vous êtes aigri, vous êtes mauvais, vous êtes méchant, vos cœurs noirs comme ça? Pourquoi? Il marche à Bidjan à pied. Si c'est tes pieds, il prend pour marcher. Si c'est tes pieds, il prend pour marcher. Là, viens prendre tes pieds. Faut plus me prêter tes pieds encore. C'est quoi? C'est quoi? Que oui, je suis trop arrivé. Tu me connais où? Toi et moi, on a déjà débattu de quoi? Je n'ai pas voiture là, ça vous fait mal? M'acheter, cotiser pour payer voiture pour moi? Je n'ai pas voiture là, je ne mange pas. Ma maman ne mange pas. Pour vous, voiture, c'est trop un luxe quoi. Moi, ce n'est pas un luxe pour moi. Du moment où je peux prendre mes woro-woro pour me déplacer, pour aller dans mes spectacles, et puis gagner un peu mes 5 francs pour manger là, je suis bien. Voilà. Maintenant, si tu es trop fâché là, regarde dans ton parc auto, enlève une arme là-bas, tu vas me donner hier rouler. Que quoi? Que veut dire? Vous êtes sur les pages là, on met les photos des artistes là, vous courez, courez comme ça. Qui n'a jamais dansé sur le son de Joss Kezo? Mais on n'a qu'à déposer la photo de Joss Kezo tout de suite. Ils vont l'insulter. Qui n'a jamais dansé sur le son de Claire Bailly? On va déposer photo de Claire Bailly. C'est vous qui connaissez tous les gars qui l'ont mougou. On va prendre photo de Serge Benoît tout de suite là. On est foutu. Ils vont le insulter jusqu'à... Ils vont pas penser que le monsieur là, il a maman, il a papa, il a femme. Quand vous nous insultez comme ça, nos parents qui lisent là, ils ont mal. Eux-mêmes, ils ne veulent plus qu'on continue. Ils veulent qu'on arrête. Parce que ça leur fait mal. Vous-même, si vos parents chantaient là, ou bien vos parents dansaient et puis on les insultait comme ça, ça allait vous faire plaisir. Tu vas pas chercher à créer une petite entreprise et entreprendre quelque chose. Tu vas faire, on va te soutenir pour développer ton truc. C'est pour insulter tes amis qui sont en train de se débrouiller pour sortir la tête de l'eau. C'est ça qui t'intéresse. On va fouiller là. Tu es couché quelque part assis dessus là-bas. Tu n'as pas encore mangé depuis matin. Pourquoi vous faites ça même? Ça passe 200 qui les sauve. C'est ça. Quand on va parler, c'est pour dire non. Yves Dero là, elle aime trop répondre. Lui, il répond pire. Il répond pire. Il répond pire. Elle a ma longue bouche là. Il répond pire. C'est quoi vous allez dire? Je suis musclé. Mon front, mon nez est coupé. Ma bouche est longue. Deux jours, ils m'ont dit ma bouche sent. Il est raté. Il est loupé. Actuellement, on m'appelle 6 fois ballon d'eau. Il est 6 trophées. Demain encore là. Pourquoi encore? Si vous voulez là, ne me suivez pas. Quand vous êtes venu vous abonner là, on n'a pas signé coup là. On n'a pas signé contrat. Ceux qui m'aiment, qui prient pour moi, qui me soutiennent, qui ne regardent pas mes défauts, qui regardent mon travail, vont se focaliser sur mon travail et vont m'aider à devenir une personne meilleure. Vous qui êtes là pour discréditer, pour dénigrer, pour quoi, restez derrière nous, on progresse.